la chaleur ne nous fatigue pas. Let not the heat tire us out. Soyons actives et actifs. Let's be active. Soyons attentives et attentifs. Let's be mindful. Que rien ne puisse nous déranger. Do not anything distract or disturb us. Amen. 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 Soyons dans la joie. Let's rejoice. La parole de Dieu dit, voici les jours que le Seigneur a fait. The word of God says, this is the day that the Lord has made. Nous devons être joyeux en ce jour-là. We shall rejoice in it. Nous ne méritons rien, mais c'est par la grâce de Dieu. We don't deserve it, but it's God's mercy. Que nous sommes vivants. That we are alive. Et que nous sommes en bonne santé. That we are healthy. Ce n'est que la grâce de notre Dieu. It's only by the Lord's mercy. Et nous devons nous réjouir à cause de cette grâce. We must rejoice for that mercy. Et merci aussi de ta présence. Thank you for your presence. De cette violence que tu as dû faire aujourd'hui. Thank you for being violent today. Parce que la parole de Dieu déclare. The word of God says. Que depuis le temps de Jean. Baptiste. Since the time of John the Baptist, quelqu'un peut continuer. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. It's violent people that get through to the kingdom of God. Vous avez fait la violence aujourd'hui pour être ici. We really made it violently to come here today. Et je vais encore dire que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. I'd like to say that the Bible says everything works together for the good of those who love the Lord. Je me disais qu'il fallait qu'on regarde Google. We should have looked on Google. Et que l'on découvre que presque toutes les routes seraient fermées aujourd'hui. To find out that all the roads were meant to be closed today. Et je me dis que si on regardait cela, and I bet if we all checked it, quelqu'un aurait dit à un autre, ne venez pas à l'église aujourd'hui parce que les routes doivent être fermées. Someone would have told someone else, don't come to church today because the roads are closed. Alors le fait qu'on n'a pas regardé, the fact that we didn't check it, a fait que nous tous nous soyons ici. Made it possible for all of us to be here. Donc nous disons gloire à Dieu. And we say glory to God. Nous disons gloire à Dieu. We say glory to God. Les gens qui sont rentrés. People who went back, glory to les gens God. Qui ne sont pas venus, gloire à Dieu. People who didn't come, glory to God. Mais plus de gloire pour nous qui sommes venus. And more glory for us who made it. Parce que nous demeurons ensemble dans la présence de Dieu. Because we remain together in the presence of the Lord. Nous l'adorons ensemble, nous le louons ensemble. We praise and worship Him together. Et nous partageons sa parole, nous écoutons sa parole ensemble. And we share and listen to the word of God together. Nous allons continuer notre enseignement sur la prière. We carry on our teaching about prayer. Et le dimanche passé, nous parlions de l'intercession. Last Sunday, we talked about intercession. Et nous avions parlé de trois personnes. We talked about three people. Qui avaient intercédé dans la Bible. Who interceded in the Bible. Nous avions parlé de notre père Abraham. We talked about our father Abraham. Qui avait intercédé. Who interceded pour Sodom et Gomorrah. For Sodom and Gomorrah. Et il s'est arrêté en chemin. And he stopped on the way. Il n'a pas dit à Dieu que va se passer-t-il quand tu trouves un seul croyant ou deux ou trois. He didn't ask God what is it going to happen if you only find one or two or three people who are believers. Alors Dieu a fait que le seul croyant et sa maison, Lot, soit puisse échapper de ce feu qui était tombé sur Sodome et Gomorrah. And the Lord allowed the only believer Lot and his family to escape the fire. Le plan de Dieu était que God's plan was that Lot et sa famille puissent tous sortir. Lot and his family escape. Donc Lot avait deux filles avec son épouse. Lot has two daughters and his wife. Ils étaient tous sortis. They all escaped. Et la Bible nous dit, and the Bible says,
que quand ils sont arrivés quelque part, that when they got somewhere, la femme de Lot, his wife, désobéit aux instructions que l'ange leur avait données. Disobeyed the angel's instructions. L'instruction de ne plus regarder derrière. Not to look back. Comme je l'ai démontré. As I demonstrated. Regarder derrière ne signifie pas comme ça. Look back does not mean. Mais cela voulait dire turn your head back, but it means. Quand vous êtes sorti. As you come out, ne pensez pas à tout ce que vous avez laissé dans Sodome et dans Gomorrhe. Do not think about everything you left behind. Que vos cœurs ne retournent plus à Sodome et à Gomorrhe. Do not let your heart turn back to Sodom and Gomorrah. Mais le cœur de la femme de Lot était retourné à Gomorrhe et à Sodome. But Lot's wife's heart turned back to Sodom and Gomorrah. Et Dieu l'avait puni. And God punished him. Et elle devint une statue de sel. And she became a statue of salt. Et Lot et ses deux filles étaient sauvées. And Lot and the two daughters were saved. Nous avions parlé de Moïse. We talked about Moses. Qui avait intercédé. Who interceded. En faveur du peuple d'Israël. For the Israelites. Qui dans le désert. In the desert. Avait commis l'idolâtrie. Committed idolatry. Sous la direction de son grand frère Aaron. With his big brother Aaron's help. Et Dieu décida d'exterminer toutes ces personnes. And God decided to exterminate all those people. Qui avaient fléchi leurs genoux devant cette idole. Who bowed before the idol. Et Moïse. And Moses. S'est mis à la brèche. Took time. Il l'a intercédé. To intercede. Il dit Seigneur. And he said Lord. Pourquoi ferais-tu cela? Why would you do that? Souviens-toi. Remember. D'Abraham. Remember Abraham. D'Isaac et de Jacob. Isaac and Jacob. Mais si tu tues ce peuple dans le désert. But if you kill these people in the desert. Et quand les Égyptiens apprendront cela. When the Egyptians will find out. Mais ils vont dire que tu es un mauvais Dieu. They will call you a bad God. Tu as sorti ton peuple de la captivité. You took away your people from captivity. Pour venir le tuer dans le désert. To kill them in the desert. Repends-toi de ta décision. Repent of your decision. Change ta décision. Change your decision. Et Dieu écouta l'intercession de Moïse. And God heard Moses' intercession. Et il dit que je ne veux pas éliminer tout ce peuple d'Israël. And he said, I will not eliminate all these Israelites. Je vais seulement éliminer cette partie-là qui avait fléchi les genoux devant l'idole. I'm only going to eliminate those who bowed before the idol. Et après, and afterwards, le peuple d'Israël. The people of Israel a commis encore un autre péché dans le désert. Committed another sin in the desert. Et Dieu voulait encore le punir. And God wanted to punish them again. Et Moïse prit le risque. And Moses took a chance or a risk. De dire à Dieu. To tell God. Écoute Dieu. Listen God. Si tu décides de tuer ce peuple. If you decide to kill these people. Moi je préfère que tu effaces mon nom de ton livre. I'd rather you erase my name from the book of life. Ça, c'est un risque que Moïse avait pris. That is a chance that Moses took. Et je disais que quand on aime, and I said that when you love, on prend les risques, you take a risk for a chance. En faveur de cette personne qu'on aime. In favor of the person that you love. Moïse avait pris le risque. Moses took a risk. En faveur du peuple d'Israël. In the favor of the Israelites. Et Dieu avait exaucé sa prière. And God heard his prayer. Nous parlions encore de Jésus-Christ. We talked about Jesus Christ again. Qui de son vivant sur la terre. Who during his time on this earth. Avant de monter à la croix. Before going on the cross. Il a intercédé. He interceded. Pour ceux qui avaient cru en lui. For those who believed in him. Pendant qu'il était sur la terre. While he was on the earth. Et pour ceux qui croiraient aussi en lui. And for those who will believe in him. Après sa résurrection. After his resurrection. Après qu'il soit assis à la droite du Père. After he sat on the Father's right hand. Par le message de ceux qui avaient déjà cru en lui. Through the message of those who have already believed in him. Et Jésus
Christ avait intercédé. And Jesus interceded. Même pour nous avant que nous naissions. Even for us before we were born. Parce qu'il avait dit. Because he said. Il dit, Père. Father. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci. I'm not only praying for these ones. Je ne prie pas seulement pour ceux qui ont cru en moi pendant que je suis sur la terre. I'm not only praying for those who believe in me while I'm still on earth. Mais je crie aussi pour ceux qui croiraient en moi. And I also pray for those who will believe in me. Au travers le message de ceux qui ont déjà cru en moi. Through the message of those who have already believed. Donc avant que tu viennes dans ce monde, before you come on this earth, Jésus-Christ intercédait déjà pour toi. Jesus Christ was interceding for you. Et nous avons vu, and we've seen, étant assis à la droite du Père, that while sitting on the Father's right hand, jour et nuit, night, day and night, il intercède, he intercedes, en faveur de son Église que nous sommes. On behalf of his church that we are. Amen. 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 Donc c'était un peu ça, l'exemple de ces intercesseurs. That is the example of those intercessors. Et nous nous sommes dit. And we said. Que ce que nous devons apprendre de leur part. That what we must learn from them. C'était cet amour-là. Is that love. Et cette compassion. And that compassion. Un intercesseur, an intercessor, doit être quelqu'un qui est rempli de l'amour, must be full of love, quelqu'un qui est rempli de la compassion, and compassion, envers le méchant, towards wicked people, envers le péché, and sinners. Un intercesseur, an intercessor, c'est quelqu'un qui doit aimer le pécheur, is someone who must love a sinner, mais qui va haïr le péché, but hate sins. Donc, si tu es intercesseur, if you are an intercessor, au lieu de haïr le péché, instead of hating the sin, donc tu hais le pécheur. But you hate the sinner. Alors je t'ai donné un conseil d'ami. I gave you a friendly advice. Donc autant arrêter l'intercession. Better stop interceding. Mais si tu veux continuer, but if you want to carry on, tu dois te repentir devant Dieu. You must repent before God. Dis Seigneur, pardonne-moi. Say Lord, forgive me. Parce que j'ai haïssé le péché. Because I was hating the sinner. Mais tu m'as dit de haïr le péché et non le péché. Why you ask me to hate the sins and not the sinner? Donc c'est un péché que je confesse. It's a sin that I'm confessing. Et pardonne-moi. And forgive me. Et je prends la décision à partir de cet instant. I decide from now on. Avec l'aide du Saint-Esprit. With the help of the Holy Spirit. De ne plus haïr le pécheur, mais de haïr le péché. Not to hate the sinner, but to hate sins. Donc c'est ce que nous disions le dimanche passé. That's what we learned last Sunday. J'étais allé un peu plus loin. I went a bit further. Pour parler un peu de soupçon. To talk about a suspicion. Parce que la Bible nous dit. And the Bible says. Que l'amour ne soupçonne point de mal. That love does not suspect evil. C'est ce que la Bible nous dit. That's what the Bible says. Et les enfants de Dieu ne doivent plus se soupçonner. The children of God must not be suspicious of one another. Les enfants de Dieu doivent être liés. The children of God must be bound together. Les enfants de Dieu doivent être unis. The children of God must be united. Hier, j'étais encore à la mission Brand for Jesus. Yesterday, I went to the mission Brand for Jesus. Et je te bénis par le message. And I was blessed by the word. Ils ont parlé de l'unité. They talked about unity. Alors, parlant de l'unité, talking about unity, on peut s'unir dans le mal. You can get united in evil. On peut aussi s'unir dans le bien pour la gloire de Dieu. Or in good for God's glory. Ils ont donné deux exemples dans la Bible. They gave two examples in the Bible. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. In the Old and the New Testament. Où les gens s'étaient unis dans le mal. Where people got united in evil. Le premier exemple était dans Genèse, dans le tout pour construire la tour de Babel. The first example was in Genesis while building the Babel Tower. Donc les gens s'étaient unis en mal. People got united in evil.
Ils ont voulu concurrencer Dieu. They wanted to compete with God. Que nous allons bâtir une tour. They said we are going to build a tower. Que les sommets de cette tour puissent toucher là où Dieu vit. So that its summit shall reach God. C'est un projet orgueilleux. It was a pride project. C'était une unité dans le mal. It was a unity in evil. Et la Bible nous dit que Dieu avait confondu leur langage. And the Bible says that God confused their language. Pour que leur œuvre ne puisse pas prospérer. So that their work could not go forward. Pourquoi? Why? Parce qu'ils étaient unis mais dans le mal. Because they were united in evil. Ils ont donné aussi un autre exemple. They also gave another example. Je crois que c'était dans les Actes des Apôtres. It's in the book of Acts. Où les ennemis de l'apôtre Paul. When Apostle Paul's enemies avaient fait un complot contre lui. Plotted against him. Pour pouvoir le tuer. In order to kill him. Donc ils étaient unis en mal. They were united in evil. Pour faire du mal à un innocent qui a annoncé la bonne nouvelle. To harm an innocent who was proclaiming the good news. Mais gloire à Dieu. But glory to God. Le neveu de Paul. Paul's nephew. Était informé de cette complicité. Was informed of that plot. Et est allé dire à son oncle. And told his uncle. Et ils ont dit aux gens qui assuraient sa sécurité. And they warned his security guard. Pour l'aider à échapper à la mort. To help him escape death. Donc c'était ça les deux exemples. Those are the two examples. De l'unité dans le mal. Of unity in evil. Mais en tant qu'enfant de Dieu. But as children of God. Nous devons être unis. We must be united. Non dans le mal. Not in evil. Non pour critiquer les gens. Not to criticize people. Non pour médire les gens. Not to talk bad about people. Et pour parler du bien des gens. But to talk good about them. Et peut-être pour intercéder. Maybe to intercede. Et le prédicateur d'hier a insisté. And yesterday's preacher insisted. Il a dit une chose. He said one thing. Que pourquoi si l'église de Jésus-Christ. He said, why if the church of God devient de plus en plus faible. If the church of God is becoming weaker and weaker. Parce qu'il n'y a pas d'unité dans l'église. It's because there's no unity in the church. Il y a l'unité dans le monde. There's unity in the world. Même pour faire le mal. Even to do evil. C'est comme ça qu'ils réussissent leur coup. That's why they succeed. En mal, malheureusement. In evil, unfortunately. Mais ils sont unis. But they are united. Et le constat de ce pasteur. But the pastor noticed. Pour voir que l'église de Dieu est divisée. That the church of God is divided. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Qu'une maison. That a house qui est divisée contre elle-même, which is divided against itself, ne peut pas subsister. Cannot survive. On ne peut pas devenir forte. Cannot become great. Ne peut pas remporter la victoire sur l'ennemi. Cannot have victory over the enemy. Ce n'est pas la faute de Jésus. It's not Jesus' fault. Mais c'est la faute de l'Église. Is the church's fault que nous sommes. That we are. Alors il est temps. It is time de mettre nos différences à côté. To put our differences aside. De nous repentir de toutes ces mauvaises choses. To repent from all those evil things. Et de vivre dans l'unité. And live in unity. Et de mettre la parole de Dieu en pratique. And put the word of God into practice. Afin que l'ennemi s'éloigne. So that the enemy should flee. Parfois, sometimes, on va bien parler de la prière de combat. We can talk about warfare prayer. Et j'avais fait une petite introduction la fois passée. I introduced it last time. Pour dire qu'un intercesseur. To say that an intercessor a deux rôles à jouer. Has two roles to play. Il se met entre la colère de Dieu et le méchant. They are between God's anger and the evil's one. Pour implorer la miséricorde de Dieu dans la vie de méchant. To plead
for God's mercy in the wicked person's life. Et le deuxième rôle, and the second role, il se met aussi entre le diable et le méchant. Is to be between the devil and the wicked. Donc pour combattre l'ennemi, to fight the enemy, afin que sa mission ne puisse pas réussir, so that his mission should not be accomplished. À l'égard de ceux qui sortent de principes bibliques. Towards those who come out of the Bible principles. Donc c'était ça le double rôle de l'intercesseur. That is the two roles that the intercessor plays. Et je voulais dire ceci. I wanted to say que deux fois, sometimes on n'aura même pas besoin de s'engager dans les combats spirituels. We wouldn't even need to go into spiritual warfare. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible says. De résister au diable et il fuira loin de vous. To resist the devil and he will flee far from us. Donc quand nous résistons le diable, when we resist him, résister le diable veut dire quoi? What does it mean to resist the devil? Que vivre dans la crainte de l'Éternel. To live in the fear of the Lord. Marcher dans l'amour, dans la compassion. Walk in love and compassion. Et dans la crainte de l'Éternel. And in the fear of the Lord. C'est ça, résister le diable. That is resisting the devil. Et quand nous faisons cela, and when we do that, donc nous fermons nos portes. We close our doors. Et le diable ne trouvera aucune porte. The devil will not find any door. Par où entrer pour venir détruire notre vie. In which to go through in order to destroy our lives. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. The Bible says he goes around like a roaring lion, looking for its prey. Donc il rôde, il cherche la porte. He's going around to find a door. Et la porte là, c'est un péché. And that door is a sin. Nous ne savons pas. We don't know. Par quel péché l'ennemi pourra entrer? What sin could the devil use in order to enter? Il peut entrer par n'importe quel péché. He can use any sin. Donc voilà, bien-aimé. This is what, beloved, nous ne devons pas persister dans le mal, dans le péché. We cannot remain in evil or in sin. Si nous le faisons, if we do it, donc nous ouvrons le porte à l'ennemi, we open doors to the devil, pour qu'il nous détruise. So that he can destroy us. Nous ne devons pas nous soupçonner. We must not suspect one. Nous ne devons pas nous soupçonner. We must not suspect one another. Quand Dieu te montre quelque chose, when God shows you something, à propos d'une personne, about someone else, ça ne sert à rien. There's no need à raconter à tout le monde, to tell everyone else, sauf à cette personne-là. Except to the person. Alors quand tu fais ça, if you do that, tu es revêtu des armes du diable. You are full of the armor of the devil. Tu ne pourras pas remporter la victoire. And you will not succeed. Mais quand Dieu te montre quelque chose, but if God shows you something, le mal dans la vie de quelqu'un, something evil in someone's life, Dieu peut quand même te montrer, God can show you, que voilà cette personne-là. Look at that person. Est en train de vivre dans le péché. He's living in sin. Alors l'ennemi est prêt à détruire la personne. And the devil is ready to destroy them. Ou bien peut-être il y a déjà des dégâts dans la vie de cette personne. Maybe they are already mais elle ne s'est pas encore rendu compte. But the person is not aware of it yet. Tu dois prier. You must pray pour que le Seigneur prépare le cœur de cette personne. For the Lord to prepare the heart of the person. Et tu dois appliquer la parole de Dieu. And you must use the word of God. Qui est dans Matthieu 18 à partir du verset 15. Vous pouvez aller vérifier à la maison. Matthew 18 from verse 15. You can go and check at home. Qui dit que si ton frère, si ta sœur a péché contre toi, the Bible says if your brother or sister has sinned against you, va reprendre. Go and talk to him. C'est dans le même sens aussi. It's in the same way. Si Dieu t'a révélé quelque chose de mal, if God has showed you something bad, va voir cette personne. Go and see the person. Parle à la personne avec amour. Talk to them with love. Si la personne refuse, if they refuse de reconnaître cela, to acknowledge it, tu n'as pas besoin de te fâcher.
Don't get angry. Tu as fait ton travail. You've done your work. Et si c'est réellement Dieu qui t'a parlé, and if it's really God who spoke to you, alors il faut attendre la rétribution dans la vie de cette personne. You must wait for God to do whatever he wants in that person. Parce qu'elle a refusé de se repentir. Because they've refused to repent. Donc toi, ton travail a déjà été fait. Your work is already done. Et tu dis gloire à Dieu. And you glorify God. Donc c'est de cette façon-là. It's in that way que nous devons marcher. We should walk. Au lieu de nous soupçonner les uns les autres. Instead of being suspicious of one another. Au lieu de nous éloigner les uns les autres. Instead of staying away from one another. Mais nous devons être unis. We must be united. Nous devons avoir la compassion des uns des autres. We must have compassion for one another. Nous devons nous dire la vérité dans l'amour. We must tell the truth in love. Pour détourner le méchant to stop the devil de tout ce qui peut lui arriver from whatever can happen du fait de vivre dans le péché. Because they live in sin. Donc ça, c'est peut-être un ajout sur ce qui concerne l'intercession. That is another point about intercession. Et nous avons aussi la prière de demande ou bien de requête. And we also have a prayer request. Nous pouvons demander tout à Dieu. We can ask God for anything. Parce qu'il est notre Père. Because he is our Father. Pourvu que as long as ce que nous demandons what we are asking for soit conforme should be in, in the, soit conforme à sa volonté. As long as what we ask for is according to his will. Et ce que nous devons aussi savoir, what we must also know, que Dieu ne nous donne pas selon that, notre temps, that God does not give us according to our time, mais Dieu nous donne en son temps, but in his time, parce que son temps est toujours meilleur, because his time is always better. Donc ainsi disant, saying this, nous devons être patients et nous devons être persévérants dans nos requêtes et dans nos demandes. We must be patient and persevere in our request. En continuant toujours à prier selon la volonté de Dieu. While praying according to God's will. 1 Jean chapitre 5. First book of John chapter 5. Versets 14 et 15. Verses 14 to 15. 1 Jean. First book of John. 15. 15. 14 et 15. 14 to 15. And this is the boldness we have in God's presence. And if we ask God for anything that agrees with what he wants, he hears us. If we know he hears us every time we ask him, we know we have what we have asked for. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que pardon, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est la requête. Prière de requête ou de demande. That's a prayer request. Et il est dit aussi dans Matthieu 7, 7, la première ligne. Matthew 7, 7. Il dit, demandez et vous recevrez. Ask and it shall be given to you. Donc, pourvu que vous demandiez selon la volonté de Dieu. As long as you ask according to God's will. Et vous attendiez aussi que Dieu vous donne en son temps. And you ask for God to give you at the right time. Mais il y a aussi de mauvaises requêtes. There are also bad requests. Il y a aussi de mauvaises demandes. There are also bad requests que les enfants de Dieu ne doivent plus faire. That children of God cannot do. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée quelques années passées. I remember someone told me something a few years ago. Qu'il y a un pasteur qui était à bord d'un avion. There was a pastor who was on a plane. Et je ne sais pas s'il était en train de prier ou bien méditer. I don't know if he was praying or meditating. Il était assis à côté de certaines personnes. He was sitting next to some people. Et qui l'ont reconnu en tant que pasteur. And who recognized him as a pastor. Et ils s'étaient mis en conversation.
And they were talking. Et le pasteur lui a dit que bon, moi je suis en train de passer un moment de jeûne, tel que je suis ici de jeûne et de prière. And the pastor said, I'm having a time of prayer and fast. Pour vraiment m'humilier dans la présence du Seigneur. To humble myself before God. Et ces gens aussi lui ont dit, mais oui, nous tels que nous sommes ici, nous sommes aussi en train de jeûner. And those people said, yeah, as we are here, we are also fasting. Et nous sommes en train de jeûner pour détruire l'église, pour détruire le pasteur et leur foyer. To destroy the church, the pastors and their households. Donc ils étaient en train de jeûner, de prier. They were praying and fasting. Ils étaient en train de faire une demande, mais une demande diabolique. And they were making an evil request. Et la personne qui pouvait exaucer cette prière doit être que le diable. And the only person to answer that request is the devil. Alors pendant que nous prions, nous jeûnons. And while we're praying and fasting, les agents du diable aussi prient et jeûnent. Evil agents also do that. Pour nous rendre faibles. To weaken us. Nous mettre dans la confusion, to make us confused, dans la dispute, dans le méfiance, to make us fight against one another, pour que la présence de Dieu ne puisse plus se manifester au milieu de nous. So that the Lord's presence cannot be manifest in us. Amen. 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 Il y a aussi une mauvaise requête. There is also a bad request. Une fille célibataire. A single girl qui avait convoité le mari d'autrui, who was having an affair with a married person, qui avait convoité le mari d'autrui, who was falling for, qui avait envié le mari d'autrui, who was falling for a married man, et a demandé à Dieu, and asked God, de tuer la femme de ce mari, to kill that man's wife, pour que ce dernier la prenne en mariage. So that they could be together. Et la personne qui peut répondre à cette prière, c'est seulement le diable, ce n'est pas Dieu. And the only person to answer that prayer is the devil, not God. Amen. 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 Donc nous devons prier selon la volonté de Dieu. We must pray according to God's will. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. We must pray according to God's will. Et si nous le faisons, and when we do, if we do it, Dieu nous donne ce que nous demandons en son temps. God gives us what we ask for in His time. Afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. So that we can be a blessing for others. Afin que nous apprenions aussi une leçon de patience et de persévérance. So that we can learn a lesson for patience and perseverance. Si Dieu te bénit, if God blesses you, même financièrement, matériellement, financially, materially, même spirituellement, spiritually, il ne te bénit pas pour que tu sois égoïste. He does not bless you to be selfish. Pour que ces bénédictions soient à toi-même, pour t'enorgueillir avec. So that you can just boast with that blessing. Mais Dieu bénit toujours quelqu'un. But God always blesses somebody. Afin que cette personne soit aussi une bénédiction pour les autres. So that they can be a blessing for others as well. Genèse chapitre 12. Genesis chapter 12. Versets 1 à 3. Verses 1 to 3. Genèse 12, 1 à 3. Genesis 12, 1 to 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genesis 12, 1 to 3. The Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. I will give you a great nation, and I will bless you. I will make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and I will place a curse on those who harm you. And all the people on the earth will be blessed through you. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Quand est-ce que Dieu peut maudire ceux qui te maudissent? When can God
Curse those who are cursing you. Si toi tu utilises ta bénédiction pour bénir les autres. Si tu utilises ta bénédiction pour bénir les autres. If you use your blessing to bless others. Et à ce moment-là, hence, Dieu va s'occuper de tes ennemis. The Lord will deal with your enemies. Dieu va s'occuper de tes ennemis. The Lord will deal with your enemies. Amen. Amen. Habakkuk. The book of Habakkuk. Chapitre 2. Chapter 2. Versets 1 et 3. Verses 1 to 3. There is a lesson of patience and perseverance. I will stand like a guard to watch and place myself at the tower. I will wait to see what he will say to me. I will wait to learn how God will answer my complaint. The Lord answered me. Write down this vision, write it clearly and clear tablets. So whoever reads it can run to tell others. It is not yet time for the message to come true, but the time is coming soon. The message will come true. It may seem like a long time, but be patient and wait for it, because it will surely come. I will not be delayed. Amen. Amen. J'étais à mon poste. Donc pour dire que. I was in my duty. That means un chrétien persévérant et patient. A patient and persevering Christian doit toujours rester à son poste. Must always remain in his duty. Quelles que soient les conditions. Regardless of the situation. Quelles que soient les circonstances et les situations. Regardless of circumstances and situation. Il doit toujours rester à son poste. They must always be in the duty. Il ne doit pas démissionner. They must not resign. Il doit rester à son poste. They must remain in their position. Quelles que soient les circonstances et les situations qu'ils traversent. Regardless what they are going through. Sachant que Jésus est le maître de temps et des circonstances. Knowing that Jesus is the master of time and situations. Malheureusement, unfortunately, il y a des gens qui démissionnent de leur poste. There are people who resign. Ah, parce que peut-être il croit que les autres ne sont pas en train de faire mieux que lui, moi je vais démissionner. Because they think that others are not doing better than him. Ah, peut-être j'ai beaucoup de problèmes, je vais me mettre à l'écart pour résoudre mes problèmes. Or because I've got too much problems, so I'm stepping aside to resolve my issues. Dieu t'a donné un travail. God gave you a job. Tu démissionnes de ce travail-là. If you resign from it, et tu attends que Dieu trouve la solution à tes problèmes. You resign and you expect God to solve your problems. Je pense que toi tu te trompes. I believe you must be fooling yourself. Il est vrai. It is true. La parole de Dieu dit. The word of God says. Je ne vous délaisserai. I will never leave you. Parlez parce que je veux me rassurer que vous êtes éveillés parce que. Please talk. Because I want to make sure. Sont en train de dormir. I want to make sure that you're awake because I can see so many people. Ce n'est pas seulement le soleil qui vous endort, mais c'est la fatigue. It's not only the sun or the heat, but it's being tired as well. Parce que vous venez à l'église déjà fatigué. Because you come to church already tired. Et ça, c'est très dangereux. That is very dangerous. Je suis là, je suis en train de regarder, je regarde toujours tout le monde dans la salle. I'm here and I can see all of you. Et je vois tout le faux mouvement. And I can see all the movements you're making. Et je vois les yeux qui sont apaisantis par le sommeil. And I can see the eyes closing because they're tired. Tu ne dois pas voir la gloire de Dieu. You're not going to see God's glory. Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas vu la gloire de Dieu. Peter, John and James did not see God's glory. Parce que leurs yeux étaient apaisantis du sommeil. Because their eyes were tired. Voilà pourquoi quand il s'est réveillé, Pierre s'est réveillé du sommeil. That's why when Peter woke up. Et il a raconté n'importe quoi. He told them gibberish. Il dit Seigneur.
He said, Lord, je vais bâtir trois tentes ici. I'm going to build two tents here. Gardez cette présence. Look at his presence. Depuis quand Pierre connaissait comment bâtir les tentes? Since when Peter knew how to build tents? C'est l'apôtre Paul qui bâtissait les tentes. It's Paul who was building tents. Il disait que non, je vais pêcher pour que nous puissions manger des poissons, ça c'est autre chose. If he said, yeah, let me go and fish so we can have. Parce qu'il était sous le sommeil. Because he was in his sleep. Et le sommeil l'a embrouillé, il a parlé n'importe quoi. And he was so tired that he started talking gibberish. Je vous racontais ce qui s'est passé, je crois que c'était à Rwanda. I was telling you something that happened in Rwanda. Et on était dans une veillée de prière. In a night vigil. Et malheureusement, un leader était en train de dormir sérieusement. Unfortunately, a leader was really sleeping. Et en train de ronfler aussi. And snoring at the same time. Pendant la veillée de prière. During the night vigil. Ça c'est grave. That is really bad. On a voulu le réveiller. They wanted to wake him up. Le pasteur a dit non, laissez-le, il est en train d'avoir des révélations. Quand il va se réveiller, il va nous donner ses révélations. The pastor said, leave him, he is getting revelations. When he wakes up, he will tell us. Et en dormant, il était déjà loin. And while sleeping, he was very deep in his sleep. Et puis du coup, quelqu'un se réveille avec un long souffle. And suddenly he woke up, he suffocated. Il dit, ah, bon, ça m'a mal. He said, ah, give me madesu. Donc il était déjà loin en train de manger les madesu. Il dit, ah, vous pouvez s'en madesu. He said, oh, give me those beans. Because he was eating them in his sleep. And then in the night vigil asking for beans. Non, ça, ce sont les effets du sommeil. This is what tiredness or sleepless makes you do. Faites un effort. Make an effort à être éveillé, to be awake, à venir en forme, to come to church in good shape, spirituellement, spiritually, physiquement, physically, moralement, morally, emotionnellement. Sinon vous viendrez perdre votre temps. Otherwise you're coming here to waste your time. Je ne veux pas non plus perdre mon temps. I don't want to waste my time. De me lever devant les gens qui sont en train de me saboter. Standing in front of the people who are not even taking consideration. C'est un sabotage. Tu es en train de parler les gens comme ils disent non, je n'ai pas le temps de t'attendre, je vais dormir. It's like you're talking to people who are saying, oh, et moi je vais continuer parce que je sais qu'il y a 4 ou 5 personnes, même une personne qui m'écoute, ça suffit déjà. I'm gonna carry on even if there's one person listening to me. Mais le mieux serait que tout le monde m'écoute. But the best thing would be for everyone to listen. Parce que ça ne servirait à rien venir enseigner et ne rien recevoir. And there's no point teaching or preaching and then nobody receives anything. Donc soyez encouragés. Be encouraged. Comme vous vous préparez avant d'aller au travail. As you get yourself prepared before going to work. Avant d'aller à l'église. Avant d'aller à l'école. Before going to school. Préparez-vous aussi avant de venir à l'église. Prepare yourself before coming to church. Et avant de venir à l'église, vous devez plus vous préparer. Before coming to church, we must prepare ourselves even more. Parce que au travail et à l'école, il y a rien de spirituel. Because school and work, there's nothing spiritual. Mais à l'église, il y a du spirituel. And in church, we have a lot of spiritual things. Donc nous devons bien nous préparer. We must prepare ourselves. Même dans nos moments de prière individuelle à la maison. Even when we are praying at home. Ne prenez pas les risques de prier quand tu es trop fatigué. Don't take a risk to pray while you are so tired. Sinon tu vas commencer la prière avant d'aller au lit. You start praying before you go to bed. Et amen, tu le feras demain matin quand tu te lèves. And you say amen in the morning when you wake up. Amen. Amen. On parlait de la prière de demande ou de requête. We're talking about prayer of request. Et nous parlons de la prière de combat. And we talk about prayer, warfare prayer. Et on avait déjà anticipé dans l'intercession. And we also started doing intercession prayer. Une prière de combat. Warfare prayer. C'est une prière d'autorité. It's a prayer of authority. Qui consiste à chasser. In order to cast away toutes les puissances du ténèbres, every evil
every evil of darkness. Les démons ou les esprits impurs. Every power of darkness, demons or evil spirit. Qui cherche à détruire nos vies et à détruire la vie des autres. Wanting to destroy our lives and those of others. Une chose que nous devons savoir. One thing we must understand or know. Que nous combattons dans la victoire. That we fight in victory. Parce que Christ est né victorieux. Because the Lord was born victorious. Christ a grandi victorieux. He grew up victorious. Christ est mort victorieux. He died victorious. Christ est ressuscité victorieux. And he rose victorious. Christ est rentré au ciel victorieux. He went back to heaven victorious. Christ est assis à la droite du Père victorieux. He's seated on the Father's right hand victorious. Et Christ reviendra dans ce monde victorieux. Amen. And he will come back victorious. Amen. Donc pour dire merci pour vos mains fatiguées, merci. Donc pour dire que Christ n'avait pas besoin de la victoire. It means Jesus did not need victory. Mais il avait remporté la victoire pour nous la donner. But he conquered in order to give it to us. Donc voilà pourquoi je dis que nous devons mettre dans notre esprit. That's why I said we must put it in our, bury it in our minds. Que nous combattons dans la victoire. But that we fight in victory. Et nous devons aussi mettre dans notre esprit. And we must also bury in our minds. Que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. That we do not fight against flesh or blood. Nous ne combattons pas dans le physique. We do not fight physically. Mais notre combat est spirituel. But our fight is spiritual. Donc 2 Corinthiens chapitre 10. Second book of Corinthians chapter 10. Versets 3 et 4. Verses 3 to 4. 2 Corinthiens 10. Second Corinthians 10. 3 et 4. 3 to 4. We do live in the world, but we do not fight in the same way the world fights. We fight with weapons that are different from those of the world uses. Our weapons have power from God that destroy the enemy's strong places. We destroy people's arguments. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la, selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Ephésiens 6, 10 to 13. Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Ephésiens 6, 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and in his great power. Put on the full armor of God so that you can fight against the devil's evil tricks. Our fight is not against the people on earth, but against the rules and authorities and the power of this world's darkness, against the spiritual powers of the evil in the heavenly world. That is why you need to put God in full. You need to put on God's full armor. Then on the day of evil, you will be able to stand strong. And when you have finished the whole fight, you will be standing. Ephésiens 10, 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Je le répète, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Put all the armors of God. Prenez toutes les armes de Dieu. Take all the armors of God. La fois passée, last time, je disais que I was saying il y a des gens de prière that there are
prayers, il y a des genres de requêtes. There are some requests que nous écoutons dans la vie des enfants de Dieu that we hear from children of God, qui sont contre la parole de Dieu. Which are against the word of God. J'ai déjà écouté les gens. I've already heard people, quelqu'un qui est en train de conduire la prière, someone leading prayer, qui dit bon maintenant. He says, now, nous allons prier. We are going to pray. Nous allons demander à Dieu. We are going to ask God de nous revêtir de son armure. To put us his armor. Je ne sais pas si tu as déjà prié de cette façon-là, si tu es honnête. I don't know if you prayed as such. If nous allons demander à Dieu. We are going to ask God de nous revêtir. To put us de son armure avant d'entrer dans le combat. His armor before we start fighting. Ça, ce n'est pas une prière. That is not a prayer. Ce n'est pas une demande. That is not a request. C'est de n'importe quoi. That is rubbish. Parce que la Bible nous dit ici, because the Bible says, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Put all armors of God. Prenez toutes les armes de Dieu. Take all of God's armor. Écoutez bien. Listen carefully. Quelqu'un, someone, ne doit pas te demander de te revêtir. Cannot ask you to get dressed. D'une arme qui n'a pas rendu disponible. Cannot ask you to put on an armor which quelqu'un, is not available. Quelqu'un, someone, ne doit pas te demander. Cannot ask you de prendre les armes qu'il n'a pas mises à ta disposition. To use the weapons that are not available to you. C'est Dieu qui nous parle. It's God talking to us. C'est Dieu qui nous parle. It's God talking to et us. Et c'est Dieu qui nous a donné ses armes. And he's given us his weapons. Il les a mis déjà à notre disposition. He's already made them available. C'est for à us. Nous maintenant, it's up to us de now prendre ces armes-là, to take them, de nous revêtir de ces armes, to put them on, et d'aller au combat contre le diable. And go and fight the devil. Et non demander à Dieu, not asking God, de nous revêtir des armes. To put those armors. Parce que les armes sont déjà disponibles. Because they are already available. Si tu pries de cette façon-là, if that's how you pray, ça c'est n'importe quoi, il faut arrêter à prier comme cela. It's rubbish and please stop praying. Parce like que les armes sont déjà disponibles. Because the weapons are already available. C'est à toi et à moi à prendre ces armes-là. It's up to you and I to take them and put them à on. Être revêtis constamment de ces armes-là. To constantly put them on. Pour aller au combat. In order to go and Dieu fight. Nous a déjà donné ses armes. God has already given you those. Il nous a déjà donné la victoire. And he's already given us victory. Et Luc 10:19, au lieu de lire, prenez note, vous pouvez aller vérifier. Just write it down, Luke 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Has, behold, I've given you power. Et je vous ai donné la puissance ou l'autorité. Given you power and authority. De marcher. To walk. Sur le serpent, on serpent, sur le scorpion, scorpion, sur toutes les puissances du ténèbre, and every power of darkness, et que rien ne pourra vous nuire, and nothing shall harm you, et que rien ne pourra vous nuire, and nothing shall harm you. Si le diable est en train de remporter dans ta vie, if the devil is winning in your life, si le diable est au-dessus de ta tête, if the devil is above your head, ce n'est pas la faute de Dieu. It's not God's fault. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit. It's not the Holy Spirit's ce fault. N'est pas la faute du diable. It's not the devil's fault. Mais c'est de ta faute. But it is your own. Parce que tu ne veux pas t'en servir. Because you're not making use of the weapons. De ces armes-là que Dieu a mises à ta disposition. Because you're not making use of the weapons that God has put. Is made available to you. Et plus loin aussi dans Marc 16 et 17a. Mark 16:17a says. Donc parmi les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Among the miracles that will follow those who believe. Et la Bible nous dit qu'ils chasseront les démons. The Bible says they will cast out demons. Donc si tu as le pouvoir et l'autorité. If you have power and authority. De chasser les démons. To cast out demons. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Donc nous chassons les démons. We cast out demons. Par une prière de combat ou d'autorité. With a prayer of authority.
Et Jésus a dit quelque chose aussi en ce qui concerne la prière. And Jesus mentioned also something about prayer. Nous allons revoir cela. You will see it. Pour donner un peu une bonne compréhension ou une bonne interprétation. For better understanding. Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6. Versets 5 à 8. Matthew chapter 6, verse 5 to 8. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Matthew 6, 5 to 8. Ne venez pas à l'église sans Bible. Don't come to church without your Bible. Ne venez pas à l'église sans Bible. Don't come to church without your Bible. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. We come here to hear the word of God. Nous venons ici pour écouter la parole de We Dieu. We come here to hear the word of God. Ce n'est pas une humiliation ou une honte. It's not a shame. Quand je vous dis, quand je vous donne le verset et que tu ouvres ta parole pour la lire. When I give you a verse and you open your Bible to read it, ça va t'aider à devenir un peu familier avec la parole de Dieu. It will help you to become familiar with the word of God. La Bible ne coûte même pas le prix d'une chemise ou de quoi que ce soit. The Bible does not cost more than a shirt or whatever. Je crois que c'est les livres qui coûtent le moins cher. I believe it's the cheapest book. S'il vous plaît, si vous n'en avez pas, achetez une Bible. Please, if you do not have a Bible, do buy one. Et si vous la laissez, ne la laissez pas. And if you always leave it at home, please do not do Prenez so. Prenez-la avec vous partout où vous allez. Take it with you wherever you go. Et quand vous avez de l'espace, profitez, ouvrez, lisez ne fût-ce que deux versets, et cela va fortifier votre foi. And if you have a free time, you can open it. Read even two verses that will strengthen your faith. Matthieu 6, 5 à 8. Matthew 6, 5 to 8. When you pray, don't be like the hypocrites. They love to stand in the synagogues and on the street corners and pray so people will see them. I tell you the truth, they already have their full reward. But when you pray, you should go into a room and close the door and pray to your Father who cannot be seen. Your Father can see what you have done in secret, and he will reward you. And when you pray, don't be like those people who don't know God. They continue saying things that mean nothing, thinking that God will hear them because of their many words. Don't be like them, because your Father knows the things that you need before you ask him. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Amen. Amen. Jésus ne dit pas que Jesus does not say, on ne peut pas prier ensemble we cannot pray together, dans un lieu public in a public place, qu'on ne peut pas se lever quand on prie. That we cannot stand up while praying. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. That's not what he's saying. Mais il parle plus de l'attitude du cœur. But he's talking about the heart. Il parle d'éviter l'hypocrisie dans la prière. He's asking us to avoid hypocrisy. Et de prier dans la vérité. And pray in truth. Il ne faut pas mal comprendre cette parole. Do not misinterpret this word. Que non, pourquoi nous prions quand nous venons ici? Why do we pray when Parce we que Jésus a dit que si tu veux prier, renferme-toi dans la chambre. Because Jesus said, when you're praying, lock yourself into your room. Non, là, ça, il parle d'une prière individuelle. He's talking about an individual prayer. Mais quand nous prions collectivement, but when we're praying together, donc cela dit que nous sommes ensemble. It means we are together. Nous pouvons prendre n'importe quelle position dans la prière. We can take any position. Et ce n'est pas la position qui compte. It's not the position that matters. Mais c'est la disposition de notre cœur. It's how our heart is set. C'est l'attitude de notre cœur. It's the attitude in which we have. Et certains chrétiens croient que And some Christians believe that en faisant de longues prières, while
praying for very long, ils peuvent être exaucés. We can, our prayers can be answered. Je ne suis pas contre des longues prières. I'm not against long prayer. Mais quand tu te perds déjà dans des longues prières, but when you lose yourself in a lengthy prayer, tu commences à raconter n'importe quoi dans des longues prières. You start talking rubbish while praying for long. Si tu n'es pas préparé, disposé à faire de longues prières, if you are not ready to pray for long, donc autant faire une courte prière précise et dans la foi et Dieu va t'exaucer. Better do a short prayer in faith and God will answer you. N'allez pas dire que le pasteur nous a empêché à faire de longues prières. Don't go and say pastor forbid us to say to pray for long. Et à faire seulement des prières de moins de 2 minutes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. And you only told us to pray for less than 2 minutes. Si tu es concentré, if you are focused, si tu es en forme, if you are really, you are prends ton temps dans une longue prière. Take your time in a lengthy prayer. Et rassure-toi que tu n'es pas en train de raconter n'importe quoi. And make sure you're not talking gibberish. Et une prière. Une prière en intelligence. A prayer in wisdom. Pourquoi je dis une prière en intelligence? Why am I saying a prayer in intelligence? Parce qu'il y a aussi la prière en esprit. Because I'm talking about a spiritual prayer. Donc la prière en langue. A prayer in a speaking in tongues. Quand nous prions en langue, when we pray in tongues, nous ne réfléchissons pas. We don't reason. Parce que nous ne savons pas ce que nous disons. Because we don't know what we are saying. Mais quand nous prions en intelligence, if we pray in intelligence, nous devons réfléchir sur les mots que nous devons prononcer. We must think about the words that we are going to say. Alors quand toi tu es pressé bla 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 dans la prière comme un perroquet, if you are praying fast as a parrot, donc tu vas copier la prière des autres. You are copying other people's prayers. Sans même savoir, peut-être c'est pas une bonne façon de prier. Without even realizing that it's not the right prayer. Parce que tu n'es pas en train de réfléchir. Because you are not reasoning. C'est très important. It is very important. C'est très important. It is very important. Nous devons prendre attention. We have to be careful. À tout le mot que nous prononçons dans la prière en intelligence. In every word that we are praying in intelligence. Pour ne pas prononcer de paroles vaines. In order not to talk about rubbish. Il y a aussi autre chose que Jésus nous dit aussi. There are other things that Jesus is telling us. Dans le même chapitre. In the same chapter. Matthieu 6. Matthew 6. Versets 16 à 18. 16 to 18. When you give up eating, they put on a sad face like the hypocrite. They make their face look sad to show people they are giving up eating. I tell you the truth, those hypocrites already have their full reward. So when you give up eating, comb your hair and wash your face. Then the people will not know you have given up eating, but your Father, who you cannot see, will see you. Your Father sees what you have done in secret and will reward you. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air hein, triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc ils reçoivent la récompense de leur hypocrisie. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Amen. Je parle de la prière, mais je touche un peu le jeûne. I'm talking about prayer and I'll also talk about fasting. Parce que quand on jeûne, on doit prier. Because when you're fasting, you must pray. Si on jeûne, on ne prie pas, c'est comme on a fait une grève de faim, on n'a rien fait. Fasting without prayer equals hunger strike. Jésus-Christ nous montre l'attitude que nous devons avoir quand nous jeûnons.
Jesus is telling us how to behave while we pray. On ne doit pas être triste. We must not be sad. On doit pas être malheureux quand on jeûne. We must not be miserable while fasting. On ne doit pas être sale quand on jeûne. We must not be dirty while fasting. On doit être propre. We must be clean. On doit être dans la joie. We must be happy. Imaginez-vous imagine que vous jeûnez. That you are fasting. Vous priez. Or praying dans une petite pièce, par exemple, de 4 mètres sur 4. In a small confined space. Et vous prenez la décision de dormir au sol. And you decide to sleep on the floor. Et ça, ce n'est pas le jeûne du Nouveau Testament. On va dormir dans le sol, dans la poussière. Jésus ne nous dit pas ça. That is not the New Testament fast. Jesus does not ask us to lie, to sleep on the floor while fasting. Et vous vous renfermez pendant 2 jours. And you lock yourself for days. Sans vous laver. Without washing, sans brosser les dents parce que vous êtes en train de déjeuner. Without brushing your teeth because you're fasting. Imaginez-vous un peu l'onction de l'odeur que vous aurez en ce lieu-là. Imagine the anointing of the smell you will have there. Et il y a des gens qui ont des narines sensibles. And there are people with sensitive noses. Moi, mes narines sont sensibles aux mauvaises odeurs. I'm very sensitive to bad smells. Je ne supporte pas les mauvaises odeurs. I cannot stand a bad smell. Et quand je te sens mal, je vais t'appeler, je dis frère Mbalasima Kolumba Solote. If you smell and I sense nous devons nous aider, n'est-ce pas? We must help one another. Nous devons nous aider. I sense it, I'll tell you, please. Nous sommes les enfants de Dieu. We are children of God. We must nous devons être propres. We must be clean. C'est le diable qui est sale. It's the devil who is dirty. Mon ami toujours sauve Alexis par photo à diable pour mon ami Zala. Do you see when they show the devil's pictures? They les enfants de Dieu doivent être propres. Children of God must be clean. Et le parent, vous devez veiller quand même sur les enfants. And parents, you must watch over children. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner peut-être, mais c'est ce que je fais. I'll tell you something that will surprise you, but that's what I do. J'appelle Deborah. I call Deborah. Elle est encore petite. J'appelle David. I call David. Je lui dis, allez, fais ça. I tell them to leave their armpits. Et quand je sens qu'il y a l'odeur, je l'envoie directement dans la salle de bain. And if they stink, I send them straight to the bathroom. Je dis, tu dois apprendre à être propre. I tell them you must learn. Tu ne dois pas rester sale. You're not gonna be dirty. Donc ça, on entre un peu dans l'hygiène, dans la propreté, n'est-ce pas? We're talking about hygiene. C'est un domaine très très important. It's a very important. Très 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 important. Very very important. Très important. Very important. Très important. Very important. Ça ne coûte pas trop d'argent. It does not cost a lot. Pour ne pas sentir mauvais. In order not to smell. Pour ne pas sentir mauvais. Not to smell. Nous devons nous rassurer. We must make sure. Que nous sentons bon. That we smell nice. Enfants ou adultes. Children or grown-ups. Que nous sommes propres. That we are tidy. Amen. 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 L'Église doit parler de tout. The church must talk about la morale, everything. L'éducation, la propriété, l'hygiène, nous devons tout parler de ça. Moral, education, cleanliness, hygiene, we must talk about all of those. Donc things. On parle de jeûne. We are talking about fasting. Faut pas avoir un visage de fait. Do not have a disfigured face. Oso jeûner. While you're fasting, bah, invité on a fête, they invite you to a party place, bah, bah, comela, where people are going to eat and drink. Yo, okay, na fête. You go to a party. Alors, tango, bah, ninga, bah, zolia, when people are eating, yo, kangelo, go, frère, nana, kulia, te. And you say, I'm not eating. Nana, kulia, te. I'm not eating. Bah, okombe, sabande, kum, and that can affect. Est-ce que azolia, te? Why you a soupçonné que bloco yo ils en a moins et l'on a si mais pour saler ma bête tu peux mettre les gens mal à l'aise. They ask themselves, do they think there's something wrong that I'm putting the food to harm them? Vanda nanda kuna yo na nzala pour qu'il n'a fait été pris dans ta maison. Stay at home while fasting. Go to bed, ça va te faire beaucoup na fait été. Don't go and be
cause problems to others. Parce que fêtez-en ici qu'à polia ici qu'à pomela. Because when you go to a party, you eat, you drink. Et ce qu'on peut appeler nous ce qu'on peut appeler ma bako, ma tout la ba, tout ma tout la ba. Il y a des attendus à la ti, il allez. Jeune na yope abu, même si jeune na. When you go there, you're just looking at people talking about how they are dressed. That's it. You ruin your fast. Reste un endroit calme où rien ne pourra être une occasion de chute pour toi. Stay in a quiet place where nothing can cause you problems. Si tu fais un jeûne individuel. If you fasting individually. Mais si vous faites un jeûne collectif. If you fasting together. Vous devez aussi vous entendre sur certains principes. You must also agree to some principles. Pour que l'un ne soit pas une occasion de chute pour l'autre. So that one cannot cause problems to others. Là, je vais vous garantir qu'on doit déborder. I'll guarantee you that we're going over. Je peux vous garantir qu'on doit déborder parce qu'on a commencé à l'état. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute, mais prenez patience. We started late, so please be patient if no one's fault. Il paraît qu'on va ouvrir les routes à 17h ou je ne sais pas. Bon, on va voir quand même. Donc ne vous occupez pas. Donc, je veux quand même attirer votre attention que soyez patient jusqu'à ce que nous terminions tout ce que nous avons à faire ici et après, nous pouvons aller en paix après. Let's be patient, finish what we had planned, then we'll go home. Nous devons être sur nos gardes quand nous prions, quand nous jeûnons. We must be on our guard when we're praying and fasting. Et ne pensez pas que quand tu prends la décision de jeûner, that when you decide to fast, ne te fais pas des illusions que le diable va s'éloigner de toi. Don't even think that the devil is gonna stay away from you. Et je vais te rassurer. Que quand tu prends la décision de jeûner pour la gloire de Dieu, when you decide to fast for God's glory, le diable va s'approcher de toi. The devil will come near you. Peut-être plus que jamais il a fait. More than he's gonna come closer than he's ever done before. C'est ce qu'il avait fait à Jésus-Christ de Nazareth. That's what he did to Jesus Christ. Si le diable n'a pas eu peur. If the devil were not scared, de s'approcher auprès de celui qui lui a créé. To get closer to the person who created him. Alors pourquoi aura-t-il peur de s'approcher de toi quand tu commences le jeûne? Why would he be afraid to come closer to you while you start your fasting? Alors il faut être vraiment sur ses gardes. Please be on your guard. Mais si même tu sors, ne te décourage pas, repens-toi et continue ton chemin. Even when you stumble, do not be discouraged. Repent and carry on. Je me rappelle d'une histoire que nous avions connue. I remember a situation that il y a plus de 20 ans passés. More than 20 years ago. Il y a une sœur qui nous a appelé. There was a sister who called us. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas. Là, je vais vous montrer le jeûne que votre sœur a fait. Come downstairs, I show you the fast your sister did. Ah, le jeûne de la sœur, on va nous la montrer en bas. Ok, allons-y. He said, okay, let's go and see what she's done. On descend. We go down. Il nous montre sa voiture. He showed us her car. Et voilà le jeûne de votre sœur. And he said, look at the fast your sister did. Toutes les vitres de voiture étaient par terre. He broke all the vitres. Donc la femme était fâchée. She was angry. Et après, je ne sais pas, un marteau, pa, il a détruit toutes les vitres de la voiture. I believe she took a hammer and smashed all the windows of the car. Oui, je ne sais maintenant ça. He said, this is the fast that she done. On ne peut aller plus loin. Not to go too far. Donc, on doit se contrôler. We have to control ourselves. Quand on est en jeûne. When we are fasting. Quand le diable est plus proche de nous. The devil is closer to us. Pour nous sortir de ce moment d'humilité devant le Seigneur. To take us away from that humble moment. On ne jeûne pas pour corrompre Dieu. We don't fast to corrupt God. On ne jeûne pas pour devenir plus puissant. We don't fast to become powerful. La puissance de Dieu, elle nous l'a donnée. God has given us his power. Elle ne retire jamais sa puissance. He never takes away his power. Sa puissance se retire si nous nous comportons mal.
We stop his power working when we misbehave. Et le jeûne est une façon de s'humilier devant Dieu. And fasting is a way of humbling ourselves. Et d'implorer la miséricorde de Dieu. And pray for God's mercy. Dans nos vies et dans la vie des autres. In our lives and the lives of others. Et le jeûne ne c'est pas quelque chose qu'on va rendre public. We must not make the fast public. Ah non, je vais aller jeûner. Oh, I'm going to fast. Église, je vais aller jeûner. Oh, church. Église, soutenez-moi. Fast, please. Et quand je vais sortir du jeûne, when I come out, vous allez voir. You will see. Vous allez voir. You will see. Nous allons voir quoi? What are we going to see? Nous allons voir quoi? What are we going to see? Et des gens comme ça, those kind of people, ils sortent du jeûne. They finished fasting. Ils viennent. They come back. Et on ne voit rien. And we see nothing. Donc c'est pas quelque chose pour s'enorgueillir. It's not something that we must sing praises about. C'est une façon de s'humilier devant le Seigneur. But it's a way of humbling. Et regarder d'abord sa propre vie. To look at one's life. Comment on marche avec le Seigneur. How one walks with the Lord. Et si Dieu nous montre les choses qui ne lui donnent pas gloire. And if God shows us the things that do not please Him. Nous devons nous repentir. We must repent. Et revenir à Dieu. And come back to God. Et laisser au Saint-Esprit la liberté d'opérer dans nos vies. And let the Holy Spirit work in our lives freely. Et comme je le disais, as I was saying, le jeûne sans prière, fasting without praying, sans méditation de la parole de Dieu, without meditating the word of God, et sans la mise en pratique de la parole pendant qu'on jeûne, without putting his word into practice while fasting, ça c'est un temps qui est perdu devant les yeux de Dieu. That is a wasted time before God's eyes. C'est un temps qui est perdu devant la présence de Dieu. It's wasting time before God's presence. Allez lire Isaïe 58. Read Isaiah 58. Allez méditer Isaïe 58. Go and read it and meditate it. Et vous verrez le jeûne auquel Dieu prend plaisir. And you will see the fast that pleases God. Amen. Amen. Le genre de prière que les gens font. Types of prayer. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Demandons à Dieu de nous augmenter la foi, de nous donner la foi. Oh, let's pray and ask God to give us faith. Oh, frère, sœur, tu dois arrêter cette prière. Brother, sister, you must stop. Tu dois arrêter cette prière-là. Ce n'est pas une prière qui est biblique. It's not in the Bible. Romains chapitre 10, 17, la Bible nous dit. Romans 10, 17 says. La foi vient. C'est la foi vient, et ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient, and hearing comes from the word of God. Si tu veux que ta foi augmente, médite la parole de Dieu. If you want to increase your faith, meditate the word of God. Crois à la parole de Dieu. Believe in the word of God. Et mets la parole de Dieu en pratique. And put it into practice. Ne perds pas ton temps. Don't waste your time. Allez demander la foi à Dieu. Asking God for faith. Parce que Dieu t'a déjà donné cette Because foi. Because God has already given it to you. Il ne peut pas te retirer la foi. He will not take it out. Je crois la fois passée. And I believe last time. C'est quand des fois nous demandons à Dieu de nous donner la paix. We ask God to give us peace. Demandons à Dieu de nous donner la joie. To give us joy. Demandons à Dieu à nous donner l'amour. To give us love. Dieu est amour. God is love. Ce qu'il est, il nous le donne. He gives us who what he has. Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit d'être toujours heureux, d'être toujours joyeux. The Bible tells us to always rejoice. Et Jésus nous dit dans sa parole. And Jesus says in his word. Jean 14, 27. John 14, 27. Je vous donne ma paix. I give you my peace. Je vous laisse ma paix. I leave my peace. Je ne vous la donne pas. I don't give it. Comme le monde le donne. And as the world gives it. Ma paix que je vous donne. My peace. Ne dépend ni de temps ni de circonstances. Does not depend on time or situation. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. That's what God. Si tu as perdu ta paix. If you've lost your faith, si tu as perdu ta joie, if you've lost your joy, si tu as perdu ton amour, your love, c'est qu'il y a une circonstance qui s'est passée en toi. Something must have happened in il y a your une situation qui s'est passée en toi. Something must have happened to you qui a fait que that has les diables volent ta paix. Let the devil steal your peace. Les diables volent ta joie. Let the devil steal your joy. Et les diables volent ton amour. And your love. Tout ce que tu as fait,
whatever you did, c'est à découvrir en toi. It's to discover in you. Ce qui a fait que le diable puisse voler cette bénédiction là. What made the devil steal that blessing? Et te repentir. And humble yourself pour avoir permis au diable. For having let the devil. Et les portes sont fermées. And the doors are closed. Et tu vas voir que la paix revient dans ton cœur, la joie revient dans ton cœur et l'amour revient dans ton cœur. You will realize or notice that joy, peace and love have come back. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. The Bible says God does not repent. Donc Dieu ne reprend pas ce qu'il nous a déjà donné. He does not take back what he has already given. Donc us. Quand nous perdons cela, c'est à nous de rechercher et de récupérer cela. When we lose it, it's up to us to go and search for it and get it back. On ne peut pas retourner à Dieu pour lui donner parce que c'est un acquis, c'est quelque chose qu'il nous a déjà donné. We will not go and give it back to God because it's already been given to us. Amen. 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 Je disais déjà du Saint-Esprit. I was talking about the Holy Spirit. Il y a des gens qui demandent le Saint-Esprit. People asking for the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est disponible. The Holy Spirit is already available from the day of the Pentecost. On n'a pas besoin de demander le Saint-Esprit à Dieu. We don't need to ask God for the Holy Spirit. Si tu as attristé le Saint-Esprit, if you've made the Holy Spirit sad, et que le Saint-Esprit n'opère plus dans ta vie, et que le Saint-Esprit n'opère plus dans ta vie, and the Holy Spirit does not operate in your life, rentre à toi-même. Examine yourself. Demande pardon à Dieu. Ask God for forgiveness. D'avoir attristé le Saint-Esprit. For having saddened the Holy Spirit. Et donne le Saint-Esprit la liberté d'opérer dans ta vie. And give them the chance to operate freely in your life. Et c'est nous. And it's up to us. Qui devons ranimer le Saint-Esprit à nous. To revive the Holy Spirit within us. Paul disait à Timothée. Paul was saying. Ranime le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Revive the gift of the Holy Spirit. Que tu as reçu par la position de médecin. That you receive due a laying of hands. Donc c'est notre devoir. It's our duty de ranimer le Saint-Esprit en nous. To revive the Holy Spirit in us. Dieu a sa part à faire. God has his part to play. Et nous avons aussi notre part à faire. And so have we. Voilà, si nous prions selon la volonté de Dieu. If we pray according to God's will, nos prières doivent être exaucées. Our prayer will be answered. Amen. 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 Père, nous voulons te dire merci cet après-midi. Merci de nous avoir amenés au Seigneur, au Père, pour pouvoir te louer, t'adorer, t'exalter, te glorifier, pour pouvoir écouter ta parole et te donner ce que tu nous as donné le long de la semaine. Merci Seigneur pour cette oreille-là qui a été attentive, pour ce cœur qui a été réceptif à tes paroles. Père, je prie que quelqu'un ne puisse plus résister le changement, oh mon Dieu. Que tu nous aides, Papa, à ce que les habitudes qui ne sont pas bonnes, qui sont, Seigneur, en dehors de la parole, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse détruire ces mauvaises habitudes, Papa, au nom de Jésus de Nazareth, afin que nous apprenions à prier selon ta volonté et que nos prières soient exaucées à ton temps. Nous te bénissons, Père, et nous recommandons la suite de ce programme entre tes mains. Que toute la gloire et l'honneur montent vers toi, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.